Sorti le 15 août 2024, développé et édité par Unbound Creations, Just Crofting est un jeu d'action-aventure dans lequel vous incarnez une corneille qui va se déplacer de niveau en niveau construit de façon bac à sable. C'est-à-dire que vous allez pouvoir manipuler de nombreux éléments et où il faudra y remplir des quêtes afin de disposer assez de corboriété, c'est la notoriété façon corbeau pour passer au niveau suivant. Après un accès au menu ma foi plutôt compliqué la première fois, vous allez pouvoir apprendre à manipuler notre volatile avec des fonctions très simples. S'envoler et voler, partir en piqué pour prendre de la vitesse, permettant de ramasser au passage des objets, ramasser ces objets tout simplement ou lâcher des fientes un peu partout. Pas beaucoup de mécaniques certes, mais qui vous occupent au travers les quêtes proposées donc par tout un tas d'animaux. Des quêtes plus ou moins intéressantes, que ce soit le hamster qui paume tout le temps ses gosses à chaque niveau, le hérisson qui veut foutre le bordel un peu partout, le pan fan du simili TikTok des animaux dans différents décors. Un manoir hanté, une ville, des pyramides, des objets à ramasser, des enquêtes à mener, choisir un camp entre les chiens et les chats, une différente pléthore de missions. Une fois à 100 points de notoriété, vous pourrez revenir au hub et choisir une nouvelle direction. Vous pourrez aussi continuer les niveaux et faire le 100% pour obtenir des éléments de personnalisation, pour pimper votre corneille en chapeau, couleur, etc. Vous pourrez donc déposer sur la tête des passants des fientes, les énervant ou les faisant fuir, et laissant pour certains leurs objets à terre. Ce sera souvent ceux que vous aurez besoin pour vos quêtes. Mais vous pourrez aussi prendre ceux déjà au sol, comme des souffleurs à feuilles, des cafés, des fruits qui rechargent votre réserve à caca, des glaces qui en font des gelées, des piments qui en font en flammes. Bref, vous avez compris le système. Outre les mécaniques du jeu, celui-ci est plutôt joli, sans forcer, et vous donne tout un tas d'anecdotes sur les corbeaux, pour une durée de vie plutôt légère, un peu moins de 4 heures sans les 100%. Merci d'être resté 2 minutes, on se dit à la prochaine. Ciao !